Après que le communisme se soit effondré en Union soviétique, suite aux événements d'août dernier, nombre de statues ont été déboulonnées, statues qui symbolisaient toute l'idéologie communiste. Et l'une d'entre elles, probablement la plus célèbre au monde, le célèbre couple, l'ouvrière kolkhozienne, qui avait été créé pour l'exposition universelle de 1937 à Paris, au Trocadéro, nous a été offerte, disons plus exactement que la Russie a proposé à la France de lui redonner cette statue. La délégation aux arts visuels nous a confié au KP5, le KP5 c'est un groupement de deux sculpteurs et un peintre, qui sont spécialistes de l'art monumental et de la statuaire et socialiste, donc nous a confié la restauration et de cette statue, et de préparer son retour pour sa réimplantation au Trocadéro, conformément à 1937. Alors, là, tu vois, le bras tendu. Hop. Notez l'importance de l'orientation du regard. Là. En 1937, les pavillons soviétiques et allemands sont face à face et ils sont au bord de la Seine. Donc, disons qu'ils ferment le Trocadéro. En 1992, nous allons opérer une rotation de cette sculpture d'ouvrier la kolkhozienne, 90 degrés, nous allons la placer sur l'esplanade centrale du Trocadéro. Ainsi, il y aura face à face entre cette statue et la tour Eiffel. La statue l'ouvrier la kolkhozienne de Vera Moukhina est très importante d'un point de vue de l'histoire de l'art. Je dois vous rappeler que Vera Moukhina a fait ses études à la Chaumière avec Antoine Bourdelle, dans l'atelier de Antoine Bourdelle, qui fut son maître, et on peut effectivement reconnaître dans ses statues tout l'enseignement qu'elle a reçu du maître. Et Vera Moukhina, disons, n'a pas suivi les avant-gardes constructivistes. Alors cette statue avait l'intérêt à l'époque d'être dans un nouveau matériau, c'était en acier inoxydable. Alors elle a posé beaucoup de problèmes techniques à l'époque, elle a été construite à l'usine Marteau Fossile de Moscou, et elle a posé d'énormes problèmes parce que notamment l'écharpe qui relie l'homme et la femme à l'arrière fait 30 mètres de circonférence, 5 tonnes de métal posées dans le vide avec seulement 2 points d'ancrage sur les hanches des deux du couple. Alors actuellement cette statue est à Moscou, au parc d'exposition agricole, et elle est dans un triste état. D'ailleurs, nous avons ici un témoin, un ami russe, qui est délégué justement par un ministère de la CEI pour venir surveiller l'état d'avancement des travaux de la restauration ici au KP5. Nous serons heureux si ici осуществится наконец-то эта проблема. Конечно, наш народ теряет свою большую культурную ценность, и тем не менее мы рады, что статуя будет жить. И я хочу только поблагодарить своих французских друзей. Спасибо. Спасибо, Франции. Nous venons de recevoir là un échantillon de la charpente métallique de la structure interne donc, de cette sculpture. Et nous pouvons constater, 55 ans après, le degré de corrosion et voir s'il faudra changer la totalité ou juste une partie donc, de cette structure. Enfin, nous pouvons constater quand même que, et rendre hommage à nos camarades qui ont travaillé donc fabriqué cette charpente au combinat Marteau Fossile de Moscou, qui est un donc très bel ouvrage.